va finir un peu fermier au gras pour les 500 éleveurs qui produisent 4 à 5 animaux par an. En filière Label Rouge. Donc en 1999, ils se sont regroupés dans une association et ont obtenu le Label Rouge cette année-là. Donc ce Label Rouge en fait atteste des contrôles tout au long de la filière, de la naissance de l'animal jusqu'à l'abattage. Et donc tous ces critères du cahier des charges font que notre viande est de qualité supérieure du bœuf standard. C'est ce que signifie le Label Rouge. Donc aujourd'hui, voilà, on a à peu près 500 éleveurs, producteurs et adhérents, et à peu près 23 points de vente un peu partout en France. Donc dans notre cahier des charges, il y a des contraintes surtout au niveau de l'alimentation, du chargement, donc on a des exploitations extensives. Les animaux sont nourris essentiellement à base d'herbes, et la finition de l'animal se fait avec des céréales produites sur l'exploitation, et à base d'herbes ou de fruits. Alors on est exploiteur sur un Lozère, tous les deux, on est anglais. Et on produit de la BF, du bœuf fermier d'Aubrac, en pâture, à 1500 mètres d'altitude, sur les plateaux du col du Joie-à-Mort et le plateau de Charpal. On fait uniquement du bœuf fermier d'Aubrac qui part à moucherie et qui part à découpe à moucherie. Ça va du steak à la côte de bœuf, à l'entrecôte. Et c'est des produits avec un cahier des charges, un suivi et un cahier des charges.